Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya, dreams of my own. I've been working from home. Hey toi derrière ton écran, n'hésite vraiment pas à activer les notifications, comme ça tu pourras savoir à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Allez, bon visionnage. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up. Same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta ask. Yo les gens, c'est Gravity, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de la Azox. Et aujourd'hui, c'est à moi de vous proposer le petit menu du jour. On va se retrouver aujourd'hui pour le top 10 des jeux Call of Duty les plus appréciés. Bien sûr, j'ai fait quelque chose en fonction de la communauté Call of Duty. J'ai été quand même me renseigner et prendre des informations assez essentielles sur ces jeux. Et bien sûr, je vous mettrai des images à l'écran pour que vous puissiez vous faire un petit avis et surtout vous mettre quelque chose sous l'œil. En gameplay, vous aurez une nucléaire express à l'achèvement en 127 secondes, donc je vais vite me grouiller. À la 10ème position, on va retrouver Call of Duty Ghost. Donc voilà, jeu très très peu apprécié par la communauté, malgré, voilà, il y avait quand même des bons déplacements et des bonnes choses à porter à ce jeu, mais voilà, tout ce qui était texture et tout, et ben voilà, c'était peu apprécié. À la 9ème position, on se retrouve avec AW. Alors voilà, ce jeu a été beaucoup trop futuriste pour la communauté, ça a été un choc. Voilà, on est passé quand même de Ghost à AW avec des jetpacks et tout le bordel, et ça a trop busqué la communauté. 8ème position, on se retrouve avec BO3, un jeu quand même assez apprécié, mais beaucoup trop récent pour être dans les hauts classements, donc voilà, il se retrouve à la 8ème position. 7ème position, on se retrouve avec Call of Duty 2. Personnellement, je n'y ai jamais joué, mais je sais qu'il a été beaucoup apprécié. Et cette fois-ci, il a été mis à la 7ème position. 6ème position, on se retrouve avec Black Ops 2. Alors, franchement, ce jeu, il m'a vraiment fait kiffer. Je l'ai eu pendant une bonne partie de mon enfance. J'ai commencé Call of Duty sur ce jeu, et franchement, ça m'a vraiment fait kiffer. Je vous le recommande fortement si vous n'avez jamais joué à ce jeu. Bien sûr, il est disponible sur PS3 ainsi qu'Xbox One, mais pas sur les next-gen. 5ème position, on va se retrouver avec Modern Warfare 3. Alors, franchement, ce jeu aussi m'a fait vraiment kiffer, surtout le sniper. C'est vraiment un bon jeu, malgré les nouvelles consoles, il est quand même un peu délaissé de la communauté. À la 4ème position, on se retrouve avec World at War. Celui-ci non plus, je n'y ai jamais joué, mais je sais qu'il y a eu énormément de retours dessus et surtout des retours positifs de la communauté. À la 3ème position, on va se retrouver avec Black Ops 1. Celui-ci, j'y ai joué un tout petit peu à la campagne, mais un tout petit peu au multijoueur, et je sais que voilà, c'est vraiment le début de la saga Black Ops, et je sais que c'est celui-ci qui a réussi à lancer les studios Treyarch vers l'avant. 2ème position, pense que vous en doutez, c'est COD 4 Modern Warfare. Alors voilà, il va sortir très prochainement en remasterisé et j'ai vraiment hâte d'y jouer. Et bien sûr, à la première position, on va se retrouver avec Modern Warfare 2. Pour moi, le meilleur Call of Duty jamais créé, et je pense qu'il restera toujours à la première, ou plutôt dans le top 3 de les jeux les plus appréciés Call of Duty. Voilà, j'espère vraiment que ce top 10 vous aura plu. Moi, je vous laisse, c'était Gravity. Allez, bye tout le monde.